Je répondais pas forcément aux besoins affectifs des enfants. Avant, en colo, le soir, je disais bonne nuit aux enfants juste de loin. Et ça me convenait pas trop, mais j'avais pas trouvé de solution à ce moment-là. Et quand je regardais les autres animateurs, soit ils faisaient comme moi, soit ils faisaient une bise à chaque enfant. Et du coup, ça me convenait pas non plus. Et maintenant, je demande en début de séjour à chaque enfant qu'est-ce qu'ils veulent comme rituel le soir, en fait. De quoi ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin de contact physique ou pas? Est-ce qu'ils veulent un bisou, un câlin, un check ou rien du tout? Et c'est beaucoup plus intéressant. Eux, ça leur permet de verbaliser du coup, leurs besoins affectifs, leurs émotions, même s'il y a une petite gêne au début à devoir les exprimer, c'est plus agréable après pour tout le monde. Et donc aussi pour moi, où je peux aussi leur parler des limites de chacun. Et du coup, de mes propres limites aussi, où je leur dis, moi, 4 bisous, c'est déjà pas mal, sachant qu'il y a aussi d'autres choses, des fois, qui peut être en plus de ça. Donc, avant, je répondais pas forcément aux besoins affectifs des enfants. Et maintenant, j'adapte mon comportement en fonction de leurs besoins individuels.